so as to go for what? Tu peux comprendre la sensation. You must understand. C'est pourquoi je vais prendre le temps de t'introduire ce soir. Take my time to introduce today. Parce que tu vas voir de quelle manière nous allons monter. Quand même le français,
Amen. Ok. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et va à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et je l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Amen. Amen. Me voici. Me voici. Tu vas savoir que tout a commencé ce jour-là pour Moïse. On a tous ces dates. Moïse est en train de faire paître un troupeau. Moïse, oui, voit le shepherd. Il n'est pas en train de faire quelque chose de banal. He was not with simple things. Il est en train de paître le troupeau. He was with sheep. Comme un berger, un leader. Like a shepherd, like a leader. Pour venir de plus que tu rencontres Dieu. To meet God. Il faut que tu sois disponible pour Dieu. You must be disposed. Alléluia. Pour pouvoir rencontrer Dieu. To meet God, you must be disposed. Tu dois être disponible pour Dieu. You must be available for God. Je cherche un homme disponible. God looking for a person. Je cherche un homme disponible. God looking for a available person. Qui va se présenter devant lui. People who will present in front of him. Comme il est. Ask Eve. Pour lui dire, je veux être utile. To tell God, I want to be used for you, used by you. Avant qu'il fasse cette rencontre avec Dieu. Before Moses meets God. Dans Exode chapitre 2. Exodus. Nous voyons qu'en lui, en Moïse. We see that in Moses. Il avait le désir. She had the desire to serve God. Il avait le désir de libérer son peuple. She had the desire to liberate people. Il avait le désir de faire justice. She had the desire to be righteous. To be righteous. Il ne supportait pas de voir son peuple souffrir par les Égyptiens. She did not accept his people suffering by the Egyptians. Ça veut dire que en lui, means that in his self, il portait déjà le name of God. Je veux te dire que pour entrer dans une alliance avec le Seigneur, to make a covenant with God, avant d'être prêt pour l'enlèvement, before to be ready for the rapture, tu dois d'abord porter en toi le fardeau qui est celui de Christ. You have to have inside you the goal of the aim of Christ. C'est-à-dire libérer les captifs. Amen. To liberate those who are captive. Déclarer la justice. Déclarer la justice. Rétablir la justice. Establish the righteousness. Délivrer les âmes. Deliver soul. Et les orienter dans la vérité. And to bring them back to the truth. Moïse portait déjà ça en lui. Moïse had these those things. Qui a dit qu'il ne connaissait pas l'Éternel des armées? Unless he did not know the God. Il y avait déjà quelque chose en lui. He had. Il a brûlé en lui. Mais il ne savait pas quelle était cette chose. Yes, those people were buried inside him, but he don't know. Mais il sentait qu'il portait le fardeau de délivrer son peuple. But he asked, he was, he had sans pour autant avoir rencontré l'Éternel des armées. Sans pour autant avoir rencontré l'Éternel des armées. Without meeting God. Sans avoir reçu le mandat de Dieu. Without meeting. Sans avoir été consacré pur. What being consecrated for God. Il avait été lui-même avec sa force. And she was going back his own strength. Et ça s'est très mal terminé. And the end was so bad. Il a fallu le dire fuir. And he had to escape. Et qu'il abandonne cette vision. And abandon this vision. Et qu'il s'en aille pour autant aller aider son beau-père qui rencontrera un matin. And go away. And meet his father-in-law Madian. Et il avait toujours en lui la vision de faire du bien. And he had exactly the aim to make good things. Il avait en lui la vision d'être un défenseur.
Moses met God. Moïse va expérimenter ce que j'appelle par la nouvelle alliance, la nouvelle naissance. Et Moïse have experience of new and new beginning. Il va entendre la voix de Dieu. And he heard the voice of God. Il va répondre à l'appel de Dieu. And he will reply to the call of God. Il va entrer dans une communion avec Dieu. And he entered the fellowship with God. Et Moïse va soudainement se réveiller. And Alléluia. Il va se réveiller le jour où il va rencontrer Dieu. And suddenly Moses is revived. L'Église doit savoir que Christ n'est pas un slogan. And just as we know that Jesus Christ is not a simple word. Alléluia. Jésus, c'est une personne que l'on rencontre. Jesus Christ is someone you have to meet. Jésus est une personne qui réveille du sommeil ceux qui dormaient. Jesus Christ is the people who make you revive. Et tant que tu n'as pas expérimenté cette rencontre, tu ne peux pas until you have the experience of meeting Jesus Christ, you cannot be. C'est de là que tout commence. Tout commence là. The beginning is to meet Jesus, to meet your God. Le puissant ardent va se révéler à Moïse. And God will reveal himself through a fire. Et il va chercher à comprendre. And then she starts looking. La Bible dit qu'il va regarder la flamme qui sera dans le puissant. And Moses start looking for the fire. Ça va interpeller sa conscience. And to wonder himself. Il va réaliser qu'il y a quelque chose de mystérieux. And he realized that there is a mystery. Derrière le puissant ardent. There is a mystery behind the. Il va chercher à analyser. And he starts. Il va chercher à observer. And he was looking. Et Dieu va voir que Moïse. And God see that Moses. A besoin de comprendre. Mais understand. A besoin de comprendre quel est ce mystère qui se passe. Mais understand this mystery. C'est lorsque le cœur de l'homme commence à chercher Dieu. When your heart commence à se poser les bonnes questions. Start asking the right question. Commence à creuser. How to when your heart. Pour avoir la révélation du mystère de Dieu. For God. Que quelque chose se passe. And then Alléluia. Tu peux rester des années dans l'église, mon frère, ma soeur. You can stay many years in the church. Tu peux parler en langue. You can speak in tongues. Tu peux prier des heures. You can pray for hours. Tu peux jeûner des mois. You can fast more. Si tu n'as pas eu cette révélation. If you don't have a revelation. Tu as une relation intime et particulière avec Jésus. With Jesus Christ. Tu ne pourras pas être réveillé. You cannot be. Tu ne pourras pas être réveillé. You cannot be. Et si tu n'es pas réveillé, c'est un grand problème. If you are not, si tu n'es pas réveillé, c'est un grand danger. C'est un problème. Si tu n'es pas réveillé, tu ne peux pas entrer dans l'alliance. If you are not réveillé, l'alliance est réservée aux hommes qui sont réveillés. L'alliance est réservée aux femmes qui sont réveillées. Cannot have a covenant God without sacrifice. Ce qui a permis que Jésus nous accorde l'alliance par son sang qui a
fruit n'est pas suffering. On parle du rejet. Le fruit n'est pas On parle de l'humiliation. Le fruit n'est pas to be humilié. On parle de l'isolement. Le fruit to be. Tu ne veux pas parler du sacrifice sans la douleur. Le fruit n'est pas suffering. Aujourd'hui, le Seigneur appelle une femme, appelle un homme. Today, God is calling someone. À d'abord accepter le sacrifice. First, to accept le sacrifice. Le sacrifice ne repose pas sur le fait de venir tous les dimanches à l'église. Sacrifice is not based in coming to church every Sunday. Le sacrifice, ce n'est pas venir à l'église à tous les programmes. Sacrifice is not coming to every program. Let me tell you that many people will be surprised. Beaucoup de personnes qui marchent dans une routine mécanique. People do the same thing every week. C'est-à-dire dans une marche religieuse. In a religious way. Ils vont être surpris. They will be surprised. Parce que quand ils vont se retrouver devant Jésus. When they will be in front of Jesus. Ils diront mais j'étais toujours à l'église. When they say that I was always. Je balayais toujours l'église. I was always on the church. Je soutenais mon pasteur. I was with my pastor. Je donnais des offrandes. I was giving my offering. Je donnais le ministère. I was. Et ils seront surpris. But when we saw quand that, le Seigneur leur dira. But what God will say. Je ne t'ai jamais connu. I don't know you. Ils diront mais comment se fait-il Jésus que tu ne m'as jamais connu? I say how Jesus can you say that you don't know me? Le Seigneur leur dira. God will say that. Tu n'as pas eu une vie de sacrifice. You don't have a tu n'as pas sacrifice. Eu une vie de sacrifice. Don't have a life of sacrifice. Ce que tu le faisais pour être vu des hommes. You were doing everything to be seen in front of men. Ce que tu le faisais pour recevoir l'acclamation des hommes. What you do, you were doing to have applause of men. Ce que tu faisais c'était pour être admiré par les hommes. It's for your own glory. Mais en vérité dans le secret. But truly, en toi il y avait toujours des idoles. But you had idol in your heart. En toi ton cœur était toujours partagé. That was when you divided. En toi, il y avait toujours l'orgueil. When you have pride inside you. En toi, il y avait toujours le mal. Inside you, you had the bad. Il est dit là depuis longtemps, je t'avais invité à vivre ma vie. And God, when Jesus will say, since long that I invite you to car ma vie n'est pas une vie de confort. Alléluia. My life is not the life of sacrifice. La vie de notre Seigneur n'était pas une vie de confort. My life was not easy. Mais ça nous Oh,
enfant de Dieu, le puissant. Tu vas jouer God. Alléluia. Tu dois expérimenter ce réveil. Tu maintenant il y a eu le réveil pour Moïse. J'ai dit que le réveil précède l'alliance. Le réveil précède l'alliance. Et maintenant il y a des choses qui se passent. And now something entre le réveil between et l'alliance. Now there is something before the revival and the covenant. Exode chapitre 34. Exode 30. Il y a un principe. There is a principle. Il y a des principes. There is a principle. Qui se manifeste entre le réveil et l'alliance. Which manifests between the revival and the covenant. Voici avant que Dieu. Before God. Ne puisse faire cette alliance. Traiter cette alliance avec Moïse. Make his covenant with Moses. Moïse va maintenant. Moses. Au verset 1 du chapitre 34. Chapter 34, Exode chapter 1. Écoute ce qui est écrit. Listen. L'Éternel dit à Moïse, taille deux tables de pierre comme les premières. Et j'écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Maintenant, écoute le verset 2. Sois prêt de bonheur et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Alléluia. Sois prêt dès le matin. Sois prêt dès le matin. Sois prêt dès le matin. Et tu monteras dans la montagne. And you go up of bien aimé, c'est l'un des premiers principes. That is the first principle. Incontournable. Avant d'entrer dans la vie. The first principle, very important before entering, before making the covenant. Tu dois être réveillé. Must be remembered. Mais ça ne suffit pas. It's not all. Parce que tu es déjà réveillé. Because you are. Maintenant tu dois être préparé. You have to be ready. Alléluia. Alléluia. Tu dois être prête. You have to be ready. Parce que tu es un Dieu d'ordre. Because our God is the God of principle. Je fonctionne avec la révélation. God works with revelation. Tu ne t'en vas pas comme ça tout seul pour partir quelque part. You cannot go in like that so easily. Mais parce que tu es réveillé. Because you follow instructions. Tu suis maintenant les instructions. You follow the instructions from God. Beloved, sont indispensables pour le succès. Instruction is very important to success. Les instructions sont indispensables pour la réussite. Instruction is very important to succeed. Vous savez même les disciples. You know that even the disciples. Qui ont marché pendant 3 ans avec Jésus. Walking with Jesus. Je les avais utilisés. God used them powerfully. Ils ont guéri les malades pendant qu'ils étaient avec Jésus. Ben il. Oh, oui. Ils ont entendu les disciples pendant qu'ils étaient avec Jésus. Doing miracle healings. Jésus leur dira même. God said to them. Ne vous réjouissez pas que les démons vous obéissent. Don't be enjoying. Mais réjouissez-vous que votre nom soit inscrit dans les livres de la vie. You change demon, but be joyful. Parce que le plus important, c'est de partir là-bas. Alléluia. Le plus important, c'est de partir là-bas. The most important thing is to be prepared. Et les disciples étaient obligés d'attendre l'instruction. And the disciple was obliged to have the instructions from God. Pour traiter une alliance avec Dieu. To have the covenant with God. Et être prêt pour l'enlèvement. And to be ready for the rapture. Tu dois prier à marcher selon les instructions divines. You must walk through instructions from God. Un enfant de Dieu ne marche pas selon sa pensée. A child of God don't walk with his thoughts. Un enfant de Dieu ne marche pas selon ses émotions. A child of God don't walk with his feelings. Tes émotions lient de l'autre. Your feelings must cause your lust. Tes raisonnements risquent de te tromper. Your feelings can make you lost. Parce que laisse-moi te dire ce soir. Let me tell you this. Que ton premier ennemi n'est pas Satan. Your first enemy is not Satan. Ton premier ennemi, c'est toi-même dans ta chair. Your first enemy is your flesh. Ton premier ennemi, c'est toi-même dans ta chair. Your first enemy is your flesh. Et aujourd'hui, and today, pass your
Tu crois que tu es dans le sorcier, et parce que tu crois qu'ils sont sur ta tête.
Alors que le démon a fait qu'entrer là où tu l'as laissé entrer à cause de ton orgueil.
tell inside of you.